Bonjour chinois. WL250, WL250. Voilà, c'est un banjo chinois, donc Gold Tone. Bon, on va voir la marque Gold Tone qu'on voit ici, ainsi que un petit autocollant qui montre que ça a été fabriqué en Chine. Made in China. Alors, chinois, t'es mauvais? Ben non, pas forcément. La preuve avec ce WL250. Qui a beaucoup de qualité. Il est très bien fabriqué, jusque dans les moindres détails. Il y a même des petites rondelles de téflon sur les... On les voit peut-être là, ouais. Sur les mécaniques de tension, pour que ce soit plus facile à tendre et à détendre. Hein. C'est quand même... Bon, voilà. Il a le double barre ici qui permettent de régler assez facilement le manche. On l'aperçoit, il est là-bas, on le voit au fond. Le tone ring, c'est un tone ring de modèle White Lady. D'où le nom du Schmilblick, là. Hein. WL, c'est White Lady. C'est donc une copie un peu de White Lady, avec des différences, bien sûr. Il n'a pas de dual stick, il a ce double système. Et puis, il y a des petits nuages, un peu à la chinoise, là. Ce sont les incrustations. Hein, les incrustations... du manche, hein. il y a pas le griffon, il n'y a pas tout ça comme sur une White Lady, mais bon, c'est pas grave. Là, on voit qu'il y a un frailing scoop avec une action quand même qui n'est pas très haute. Hein. Donc, frailing scoop, il y a bien sûr ici, on aperçoit un no-note. No-note, voilà, un cordier de fond de caisse là, et puis le armrest. Avec, bon. Donc un tone ring, c'est une peau cristal, on peut changer hein, pour mettre une peau animale, bon, si on ne craint pas l'humidité, ou alors une fiber skin pour donner un peu plus d'authenticité, si j'ose dire, à l'instrument. Les mécaniques sont très souples, hein, c'est genre Goto, japonais, mais celles-là sont peut-être bien chinoises, enfin elles fonctionnent très bien. Voilà, que dire de plus? Bon, il manque les petits clous là, hein, mais bon, on va les mettre. Et comment ça sonne alors cette affaire? Ben, ça sonne pas mal. Atténuer le son un peu quand même violent grâce à Piggy the Mute, hein, la petite sourdine. Ah, voilà la sourdine Piggy. Voilà, ça donne on peut faire des effets de scène terribles avec ça. Hein, grâce à Piggy, il va sonner un peu plus mat, un peu moins brillant. White Lady 250. Alors combien ça vaut ça? En neuf, ça peut monter à 1400. Même chez d'artisans, 1400. Bon. On peut en trouver un modèle qui est
Un peu différent, c'est-à-dire que sur le manche, il y a un arbre de vie. Faut aimer, hein, parce qu'on perd un peu ses repères avec l'arbre de vie. Tree of Life, mais ce banjo, il est vendu sur un site espagnol et il coûte un peu moins de 1000 euros. Alors que, en général, ces banjos-là coûtent autour de 1200 à 1400 euros sur les sites français. On peut en trouver un chez Elderly à un peu moins de 1000 dollars, mais quand on ajoute les taxes, le machin, le truc, la douane, on arrive à peu près au même prix que les prix pratiqués par les boutiques en France. Donc, si vous en voyez un sur une vente aux enchères, pas trop cher, n'hésitez pas parce que c'est quand même un bon, ou d'occasion sur le Bon Coin ou autre, n'hésitez pas parce que c'est quand même un bon instrument qui pourra se plier à vos exigences parce que bien sûr, on peut mettre des petits clous, on peut atténuer un peu la résonance du tone ring. Et bien d'autres choses encore. Là, il est monté en acier avec des cordes assez anciennes. Avec des cordes un peu plus récentes, ça sonnera encore plus. On peut mettre en nylon si on souhaite jouer en nylon, c'est tout à fait possible. Donc beaucoup de possibilités pour cet instrument qui, bien que chinois, ou peut-être parce qu'il est chinois, n'est pas mal du tout quand même. WL250.